Good morning, Alidan. Les tutos aujourd'hui, le Lunishmat Amamiona, Ben Khana, Peggy Batester, Zalabat Mazaltov, Shishportish, et Simon Batlouni, Michel Novikov, aussi deux fois, Ruth Batloutin Traina, et Simcha Bat Masoulou, Bidor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Jvot, Perikvav, Mishnah Vav. Rabbi Meir Omer, Yesh Dvarim Shehen Kekarka, Ve Einan Kekarka, Ve En Chachamim Modim Li. Keitzad, Eser Gefanim Teunot Masalti Lecha. ועלה אומר, אין ענה לחמש. רבי מאיר מחייב שבוע, והחכמים אומרים, כל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. אין איש בעין, אלא על דבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין. כיצד? בית מלא מסרתי לך, וכיס מלא מסרתי לך, ועלה אומר, איני יודע, אלא מה שהנחת אתה נוטל, פטור. זה אומר עד הזיז, וזה אומר עד החלון, חייב. דו סוג'ית נוסעת משנה, רובחון, C'est dans la mission précédente, on avait appris une notion qu'on ne jure pas pour les karkaot. Un bien immobilier, on ne jure pas pour un bien immobilier, que ce qu'il s'agisse de Shvuat HaShomrim ou même Shvuat Modeh Bemitzat. Si je te donne ma maison à garder et lorsque je reviens, je remarque que c'est une catastrophe, c'est un désastre. Il y a eu des gens bizarres qui sont entrés, qui ont tout cassé. Et toi tu me dis, moi j'ai bien fermé la porte, apparemment ils sont entrés par la fenêtre, tu sais pas. Moi je t'impose de jurer. Jure Shvuat HaShomrim. Que tu n'as pas été fautif. On apprend dans la Mishnah qu'il n'y a pas de Shvuat HaShomrim dans les karkaot. D'accord ? Kitani shalru kesef o kelim lishmor par le kesef d'avim taltel de gufo mamon. Ok ? Maintenant, notre Mishnah nous enseigne comme ça. Rabbi Meir nous enseigne. Yesh dvarim shehen kekarka. Il y a des choses qui sont considérées comme un bien immobilier. Ve enan kekarka. Et malgré tout, ils n'ont concrètement, alachiquement, pas un statut de bien immobilier, mais plutôt de bien mobilier. Et Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. C'est-à-dire, là, on va arriver à un stade intermédiaire qui ressemble, qui est quelque chose qui est lié encore, rattaché au sol, mais qui n'est plus considéré comme un bien immobilier. Et sur ça, Rabbi Meir va nous dire, ben, on peut jurer, on fera jurer sur un tel bien, et Chachamim diront, non, ça s'appelle encore un karka. Quel est ce cas-là? Keitzad, comment est le cas? Esser gefanim teunot masarti lecha. Je viens et je te réclame et je te dis, dis-moi, je t'avais demandé de surveiller mes 10 pieds de vigne qui étaient déjà bien pleins de fruits, sur le point d'être récoltés. Ve'ala omer, non, enan ala chamesh, tu m'en avais transmis que 5. Alors finalement, je lui réclame des fruits, ils sont attachés au sol, c'est mechoubar la karka. Mais d'un autre côté, on est sur le point de faire les vendanges et de récupérer tous ces raisins. Donc ils sont déjà considérés comme un petit peu comme s'ils étaient déjà coupés finalement. On a une règle. On évoquera plus dans les détails. D'abord, on assimile la notion, après on va rentrer un peu plus, on va l'expliquer. D'accord ? Quelque chose qui est sur le point d'être vendangé. Alors on considère qu'elle a déjà été cueillie. D'accord ? De ce principe, alors c'est justement ça le point de discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. Selon Rabbi Meir, donc, Esser Gvanim, 10 pieds de vigne, un Geffen, c'est le vin, pour le prix Geffen, Teunot, qui sont Taoun, pleins, donc des pieds de vigne pleins de fruits. Masartil Rach, je les ai transmis à garder, à surveiller. Ve'ala Omer, non, Enan al Hamesh, il n'y en avait que 5. Rabbi Meir, Mechayev, Shubua. Rabbi Meir impose de jurer sur une chose pareille. Parce que finalement, je suis pas d'accord, quand je remarque qu'il y a eu un voleur qui est venu, qui a coupé tous les fruits, qui les a pris pour lui, et ben je te réclame, moi j'en ai eu des fruits. Donc, Rabbi Meir Mechayev Shvua, il impose de jurer. Vachachamim Omrim, Kol Mechubar la Karka, Areu Kekarka. Selon Rabbi Meir, Vachachamim, elle sera dispensée de jurer, car tout ce qui est rattaché au sol a le même statut que le sol, que le bien immobilier. Soit selon Chachamim, on considère les fruits comme des biens immobiliers. D'accord ? Notion relativement simple pour le moment. La notion en langage de Gemara, ça s'appelle. Ça a été dit de 10 manières dans le chasse. C'est très fréquent de le rencontrer. C'est justement là où on va mettre un petit peu le zoom parce qu'il y a une difficulté d'ici par rapport à d'autres endroits. Mais la notion générale s'appelle Kol Haomed Lehi Batser Ke Batsur Domi. Kol Haomed Lehi Asot Ke Asui Domi. Si on veut dire, de poser une généralité. Tout ce qui est sur le point d'être fait, on considère comme si qu'il est fait. Il a un statut comme si qu'il a été fait. Un fruit qui est sur le point d'être cueilli, il est considéré comme cueilli. Il n'a plus besoin du sol, même s'il est physiquement, géographiquement, rattaché au sol, ça s'appelle plus que c'est un produit du sol. Il est complètement coupé du sol, même s'il est encore rattaché. Ça, c'est la notion générale qu'utilise Rabbi Meir.
Le problème, il est que, problème ou pas le problème, c'est qu'en réalité, cette même svara, Chachamim le pense. Pour la halakha, on tient la halakha comme Rabbi Meir dans tout, sauf dans cette Mishnah. Soit, pour plein de halakhot, on va en parler même dans Eruvin, on va en parler de partout. Pour le Barthénois avait évoqué par exemple Mekar ou Memkar, les transactions, comment est-ce que je fais pour te vendre des fruits qui sont rattachés au sol? Eh bien, je ne pourrais plus te le vendre en faisant une chazaka dans le karka comme les biens immobiliers, parce que je te vends les fruits, je ne te vends plus le bien immobilier. Donc de ce fait, il va falloir que tu fasses cueilles les fruits pour leur faire l'agba. La même chose avec Ilchot Hona'a, trompé dans les arnaqués, ouais, l'escroquerie. Sur les biens immobiliers, il n'y a pas d'escroquerie. Sur les biens immobiliers, il y a. Si je te vends ces fruits avec plus qu'un sixième de leur valeur, eh ben, la vente s'annulera, parce que pour les biens mobiliers, alors il y a le histoire de Hona'a. Donc pour plein de halakhot, on va le considérer comme un bien mobilier. Mais spécifiquement pour jurer, pour la shvuat hashomrim, pour l'interdit de le devoir de surveiller la vigne, donc, d'accord. Donc pour les shomrim, on va le considérer comme un bien mobilier, comme un bien immobilier, étant donné que lorsque je te demande de le garder, je ne t'ai pas demandé de le cueillir, je te demandais de le garder. Donc même s'ils sont déjà à point, sur le point d'être cueillis, mais le essek, l'affaire que j'ai à faire avec toi, c'est pour le moment sur des raisins qui sont fixés au sol et je ne t'ai pas demandé de les couper du sol, donc ils sont considérés comme encore fixés au sol du début jusqu'à la fin. Donc, Chachamim vont dire qu'on va le considérer comme des biens immobiliers. C'est clair? Okay. Deuxième partie de la Mishnah, elle est simple. On ne jure que sur quelque chose qui a une mesure ou qui a un poids ou qui est dénombré. Mida, une mesure. Ouais, le midot, mishkal, le poids, et minyan, on compte, donc il y a quelque chose qui est dénombrable. Keitzad, c'est-à-dire, de quoi on parle? C'est-à-dire, alors on va donner un exemple de réclamation de choses qui ne sont pas mesurées, et un exemple, et donc qu'on ne va pas jurer, et un exemple d'une réclamation qui va être mesurée, et donc ça, on va être passible de shvua. Keitzad, comment est le cas? Bait male masarti lecha, je viens de te dire, tu me dois mon blé là, tu me rends mon blé, je te donnais une maison pleine. C'est quoi une maison pleine? Maison pleine, 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 jusqu'en haut, tous les petits coins, plus ou moins pleine. Et l'autre il me répond quoi? Donc, bait malé, ve kis malé, idem, une kis, une poche, mais en réalité une bourse pleine de pièces d'or, je t'ai donné. C'est quoi cette petite bourse toute maigre que tu veux me rendre là? D'accord? Je t'ai donné quelque chose de plein. Ve ala omer, et l'autre il dit, eni odea, je sais pas combien il y avait, ce que tu vois là, c'est ce que je t'ai rendu. Comme ça. D'accord? Donc, moi, je réclame de manière pas du tout précise. Je dis qu'il y en avait plein, et l'autre, il me dit, non, il y en avait un petit peu. Mais quoi? Combien? Dites des chiffres. Annoncez des numéros, des poids, des quantités. Dites quelque chose. C'est quoi ces manières de parler? Alors, d'accord? Donc, Bait Malé Masarti Lecha, avec qui Malé Masarti Lecha, j'ai donné une poche pleine, une maison pleine. Bah alors, mère, Eniodea, je sais pas. Et la machine Arta, t'as un hôtel. Ce que tu vois ici, c'est ce qu'il y avait. Pas tour. Il est dispensé de jurer. Parce qu'il y a une halakha qui est déduite soit du fait que la Torah a dit qui ouzé, lorsque dans le pasouk qui nous parle, on va pas ouvrir le pasouk, ça va être trop lourd sinon, mais en tout cas le pasouk qui nous dit lorsqu'il le réclame, et l'autre nous dit qui ouzé, c'est ce qui reste, qui ouzé, il faut définir précisément combien il reste. Il y en a qui déduisent encore de, ça c'était Tosot, le Ran, il déduit ça, du fait qu'il y a marqué Kesef ou Kelim, quelque chose qu'on dénombre. Et il faut, faites attention, il faut aussi bien que la réclamation elle soit mesurée, qu'elle soit définie, et aussi bien si ce que l'autre reconnaît doit être aussi défini, ils doivent dire des chiffres, des quantités. D'accord? Donc, pas tout, dans tout ce cas-là, on sera dispensé de jurer. Par contre, Zéomer Adaziz, lui dit, je t'ai laissé une maison pleine, Adaziz, jusqu'à la poutre là, exactement cette poutre là, à ce niveau-là, jusque-là, c'était tout plein. Et l'autre, il me dit, non, Adachalon, jusqu'à la fenêtre. Regardez, on n'est pas en train de dire des chiffres, mais malgré tout, on est quand même capable de palper la différence entre ce qu'il réclame et ce que l'autre reconnaît. Il y a déjà des mesures qui sont annoncées ici. Alors, Chayav, il sera passible de jurer. On a fini la Mishnah, on fait le Barthénora. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous enseigne, Yesh Dvarim Shein Kekarka. Il y a des choses qui sont considérées, qui sont certes ressemblantes à un bien immobilier. Par exemple, Anavima Omdot Leibatser, ou Deika Ben Chachamim Le Rabbi Meir. Des vignes qui sont sur le point d'être vendangées. C'est telle est la chose, la différence qu'il y aura entre Chachamim et Rabbi Meir. Des Rabbi Meir, ça va, car Rabbi Meir pense, Anavim Amdot Leibatser, Kibtsurot Damian. Les vignes
les raisins qui sont sur le point d'être vendangés et qui, b'tsurot damian, on les considère comme déjà vendangés, comme des biens déjà mobiliers. Bah, chachamim savrait, et chachamim pense, lave qui b'tsurot damian. Ils ne sont pas considérés comme des biens, comme si qu'ils ont déjà été coupés du sol, cueillis. V'alacha ke chachamim, et l'alacha est établie comme chachamim, qu'on ne le considère pas comme des biens immobiliers. Mais attention, comme des biens mobiliers, mais plutôt comme des meubles. Mais attention, Vedavka bedin shomrim, tout ce que l'on dit, qu'on ne parle, qu'on ne les considère comme des biens, que chachamim ont dit qu'on les considère comme des biens immobiliers, c'est uniquement pour les shomrim, pour les halachot des gardiens, des devoirs de garder, de surveiller. Aval gabe mekachomemkar, par contre, pour les halachot de mekachomemkar, de transaction, quel type de kinyan faire? Vehonaa, l'escroquerie. Ou bien encore même modé bemitsatatahana. Ouais, celui qui reconnaît partiellement la dette, qui devra jurer, ben il devra jurer même sur ses raisins. Il y a une difficulté, mais on ne va pas rentrer dans rien. Très long, Sofiane Paul ici, qui se casse la tête sur un petit problème. En tout cas, retenez juste la notion, il y a deux types de shvuot évoqués. La shvua des gardiens, et la shvua de celui qui a transmis à l'autre, par exemple, je donnais à mon employé, je lui ai dit, tiens, cueille-moi les 10 vignes. Et lui, il n'en a cueilli que 5. Et il me dit que non, tout ce qu'on avait fixé entre nous, c'était que les 5. Et les autres, il est dit qu'ils n'ont jamais été là, ou peu importe. Là, dans ce cas-là, même de Chachamim, il y aura ici une Oda'a, Miminata'ana. Il devra jurer le fait qu'il est reconnu partiellement. D'accord ? Il y a la différence entre les deux, elle est simple. Ce qu'on avait évoqué oralement. Mais il y a des grandes difficultés, comment lire la Mishnah. Bon, d'accord, on a compris la notion. D'accord ? Il y a donc la discussion entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est uniquement pour le gardien, puisque l'affaire que j'ai avec lui, du début jusqu'à la fin, c'est sur les raisins qui sont encore attachés au sol, Chachamim disent, tu leur donnes un statut de bien immobilier, à la différence de toutes les autres cas évoqués ici, qu'on considère donc comme des biens mobiliers, puisque quand je te vends la vigne, quand je t'arnaque, quand je te la vends, ou bien même quand je t'ai demandé de l'accueillir, alors maintenant, j'inclus dans ma réclamation que certes, on part d'un point de départ où c'est encore attaché au sol, mais ça se continue quand après tu les as détachés du sol. Donc, Rami, vous pensez le considérer comme des biens mobiliers. Bechol ané, pour tous ces cas-là, kayimalan davar omen leibatser kebatsur dami. On considère que c'est que quelque chose qui est sur le point d'être cueilli, vendangé, il est considéré comme vendangé. Vechan alacha kerchami, elalacha a été établie comme ça. Ensuite, on passe à toute la fin de la Mishnah, lorsqu'on avait dit Adaziz vadachalon, jusqu'à la hauteur de la poutre ou la hauteur de la fenêtre. Korach el alia, c'est quoi le ziz? Le ziz, en théorie un ziz, ça pourrait être dans Babatra, on l'avait vu. Un ziz, c'était un clou qui sortait, une sorte d'un bout de poutre. Alors c'est ce qu'il nous dit le partenaire ici. Korach el alia aboletet mito chabait. Il y a une poutre qui dépasse depuis l'intérieur de la maison. Veklala de milta, maintenant, telle est la généralité à retenir. Leolam enochayav joa de oraita. A jamais, on est passible de la joie de Raita. Achit anenu davar shebemida, o shebemishkal, o shebeminyan. Jusqu'à ce qu'il réclame quelque chose qui est mesuré, ou bien qui a un poids, ou qui est dénombré. Veyodelo, et que l'autre aussi lui reconnaisse de la même chose, bemiktsat, qu'il reconnaît partiellement, bemiktsat amida, o bemiktsat amishkal, o bemiktsat aminyan. Regardez, faites attention, ça doit être dans les deux sens. Ça veut dire, si moi je te dis, hey, je te donne une maison remplie jusqu'à la hauteur de là-bas, et l'autre il me répond, je sais pas, ce que tu vas voir ici, plus ou moins comme ça. Il me donne pas, c'est-à-dire moi je le réclame avec une mesure définie, et lui il me reconnaît avec une mesure non définie. Même ça, c'est pas bon. Ouais, il faut que nécessairement ma réclamation soit définie, et sa reconnaissance soit aussi définie. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Aslacha, Kol Tov, Selah.